Si est-ce qu'il y a un gros dossier qui s'ouvre, nous lâche Florence Coste, l'interprète de Laetitia dans Ici tout commence. Depuis quelques semaines, Kelly vit une véritable quête familiale. Elle va vouloir savoir qui est son père et donc elle va le rechercher activement, confirme Axel Daudier, qui lui prête ses traits. Et Florence Coste de renchérir, ça devient un sujet incontournable pour Kelly. Pourtant, jusqu'à présent, Kelly semblait se satisfaire pleinement de n'avoir que sa mère comme repère. Elle a vécu avec ça toute sa vie mais, là, elle a besoin de savoir. Si est-il quelque chose qui la déborde, nous explique Florence Coste. À tel point que sa mère de fiction va être contrainte d'aborder ce sujet épineux avec sa fille. Si est-il très compliqué pour Laetitia d'aborder ce sujet parce que ça reste son plus gros traumatisme. Mais devant le désarroi de sa fille, elle est obligée de se rendre à l'évidence et d'accéder à sa demande, nous détaille Florence Coste. Kelly va donc bel et bien retrouver son géniteur. Ce qui ne sera pas sans conséquence pour le duo mère-fille, ça va modifier tout notre équilibre, parce qu'on a toujours vécu que toutes les deux. Donc moi, ça me fait très peur. Je pense qu'elle aussi mais elle en a besoin. Quid de la relation avec Tony? Laetitia et Tony ont vécu une idylle dans le passé. Et s'il s'est interrogé sur la paternité de Kelly, il a désormais été prouvé que ce n'est pas Tony son père. Mais un retour de flamme entre les ex-amants est-il possible? Je ne vais pas spoiler mais en gros, Tony, si est-il sa jeunesse? Si est-il insouciance? Si est-il avant tout les problèmes qu'elle a et Ous, l'abandon de ses parents, tout ça. Donc ça la ramène à une époque très joyeuse et à de la légèreté, ce dont elle a besoin en ce moment, nous rétorque celle qui incarne Laetitia. Pourquoi Laetitia est dans une position très inconfortable vis-à-vis de Tony mais avec sa rupture brutale et sa relation toxique avec Guillaume, Laetitia ne semble pas encore prête à retomber amoureuse. Elle savait que cette relation devait s'arrêter. Elle va pouvoir se retrouver. Retrouver sa fantaisie, sa bonne humeur, sa joie de vivre, s'enthousiasme-t-elle, avant de nuancer, mais je pense qu'amoureusement, Guillaume a été une étape tellement forte qu'elle ne peut pas se relancer si vite, dans une nouvelle relation, note de la rédaction, surtout, Laetitia tient énormément à Tony et ne compte pas jouer avec lui et ses sentiments. Elle n'a pas envie non plus de ne pas être réglo avec ce mec qui est là et qui attend, ça la met dans une position très inconfortable. Elle doit composer avec ça et en même temps elle a énormément de tendresse pour lui. Elle est un peu mal à l'aise avec tout ça, nous avoue Florence Coste. Reste à savoir si sa position va évoluer dans les semaines à venir.